Ultra Beats on the track. Taula 17. Taula 17. مرحبا بكم. كنتوا تسمعوا في عابد عزرية وأنا فيليب لبنان وإسبانيا، واليوم احنا في تونس في سوسة بالتحديد في البيرو، وقاعدين نشاهدوا في معرض تشكيلي لثلاثة فنانين اللي هما سيرين تويبي، كنزة داود وميغيل أليخوس، اللي جاونا من ثلاثة بلدان هذوما باش يعرضوا الأعمال متاعهم في إطار الإقامة الفنية متاع جسر. دونك اليوم باش نحكيو على الموضوع هذا، ومعنا تشابي دي لوكا لو بريزيدون دو جسر اللي باش يقدم لنا لو بروغرام دو ريزيدونس. ميرسي محمد. Muchas gracias. Bon, c'est un grand plaisir de partager cette table-là avec vous toutes. On est à la galerie El Biru, après un long samedi avec le vernissage de l'exposition, avec l'atelier qu'on a fait hier avec Séverine et Paula Duran de Saberes Migrantes. Et aujourd'hui, on lance cette table-là pour partager un peu cette vécue, cette expérience qu'on a fait ensemble, pour lancer la première étape de la résidence 2022-2023 qui va parcourir les villes de Sousse, Alger et Barcelone dans la prochaine année. Et bon, on est très heureux et on est bien accompagnés aujourd'hui. Je voudrais bien passer la parole à Karim et à Selma pour qu'ils puissent nous donner une belle bienvenue chez eux. Karim. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à participer à cette nouvelle édition de Taula. Je voulais là juste partager un petit peu le plaisir, le bonheur d'avoir pu accueillir cette résidence avec ces trois jeunes artistes. Ces trois artistes, pourquoi jeunes? Ces trois artistes. Miguel Alejos, Sirin Twibi et Kenza Deut. Ça a été pour nous une première expérience pour El Biru de pouvoir justement mettre à disposition un espace pour leur séjour, leur travail, leur recherche et de pouvoir justement travailler, réfléchir. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat de leur résidence, de leur travail, on ne peut qu'être content, qu'être heureux d'avoir pu participer à cette aventure. Bienvenue à El Biru encore une fois et merci beaucoup pour tout ça. Merci Karim pour la présentation, merci Selma aussi pour tout cet accueil chaleureux qu'on a reçu. Là, je voudrais passer la parole à deux personnes qui ont fait un super travail, qui ont permis de connecter l'équipe avec les artistes, l'un avec un travail à distance jusqu'au moment où il a pu arriver à Sousse, c'est Houari Bouchnak, Sabah al-Khir. Sabah al-Nour. En tout cas, c'était un réel plaisir en fait de pouvoir collaborer dans cette résidence en même temps avec Wissam Al-Abed en tant que commissaire et aussi avec les artistes aussi. Et c'était un plaisir aussi de pouvoir les retrouver plutôt en présentiel qu'en distanciel, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Moi, je pense que toi, Houari, comme commissaire qui va accompagner les artistes pendant les trois étapes, ici à Sousse, mais après à Alger et aussi à Barcelone, pour cette édition de résidence, on voulait renforcer cette suivi non, qu'on fait avec les artistes pour qu'ils se sentent bien accompagnés, qu'ils puissent partager des doutes, non, bien connaître la scène où ils se trouvent et créer ces liens. Je pense que toi,
tu assures cette partie parce que tu as une expérience derrière dans la région, donc ton avis et ton point de vue c'est incroyable. Et cette fois on a eu la chance aussi de compter avec Wissem Labet qui vit à Sousse aussi, qui est artiste, qui fait partie aussi de l'équipe de Lisbas et qui est commissaire, donc et que vous avez créé cet tandem qui me paraît très intéressant, qui a donné lieu à un dialogue entre vous d'abord, mais aussi avec les artistes, avec l'équipe de le bureau, pour décider des choses, non, décider des choses des fois petites, mais des fois grandes et nécessaires. Et je voudrais bien que vous nous expliquiez un peu cette expérience d'abord, de travailler d'abord en ligne et après en vrai, et un peu pourquoi Air Sol, non, ce titre de l'exposition. Je pense que c'est important que vous pouvez le partager avec nous. Wissem. Merci Chabi, bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette édition de Taoula et je suis très ravi d'avoir participé à cette résidence en tant que commissaire régional en partenariat avec en étroite collaboration avec Hawali Bouchner. C'était à distance et après des séances ou des rencontres avec les artistes, donc que ce soit à distance ou en présentiel ici à la galerie, on a pu échanger, on a pu élaborer un plan et je suis très satisfait d'avoir réussi à atteindre ce résultat d'abord et aussi d'avoir atteint l'idée qu'on s'est fixée, c'est de pouvoir dégager les points communs ou quelque chose qui pourrait faire la correspondance entre les trois démarches. Donc petit à petit, chacun dans son univers, dans sa façon de faire, on a pu par les discussions, par les échanges, par des réflexions, par des va-et-vient, comme ça, on a pu finalement sortir cette exposition suite aux efforts des artistes, suite à leur écoute, à la bonne ambiance qui était dans laquelle ils étaient, avec l'accueil de Karim et Selma. Donc, oui, je suis très satisfait de cette expérience et je remercie encore une fois Mohamed Moussoultan qui m'a proposé pour cette tâche. Je connaissais juste à travers les réseaux sociaux, à travers ce que je voyais de programmation. C'est la première fois que je collabore avec cette structure qui est très bien organisée, très sérieuse et qui met les choses à terme. Et c'est très encourageant. Je vous remercie pour tous ces efforts. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu au processus de travail, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc un accompagnement, on va dire, à proximité qui a été assuré par Wissem Al-Abed, où il était pratiquement omniprésent avec les artistes, où il essayait d'être à l'écoute, mais en même temps de suivre un petit peu le processus de réflexion et de recherche. Moi, de mon côté, ce qu'on a essayé de faire, c'est à chaque fois qu'il y ait des entretiens individuels avec les artistes, et puis après avec Wissem aussi, et on se retrouvait après à échanger ensemble. Donc il y a eu beaucoup de va-et-vient. Et ce qu'on a essayé de faire avec Wissem, c'est surtout de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement des artistes. C'est d'abord de suivre un petit peu ce qu'eux, ils veulent faire et quelles sont leurs intentions de création et de réflexion à partir du territoire et à partir du changement qu'ils ont eu. Parce que c'est un changement qui est quand même assez important. C'est ça un petit peu la magie aussi de la résidence, c'est qu'on puisse changer de territoire et en même temps de repères. Et d'être face à des nouvelles rencontres. Et c'est ce qu'on a essayé, justement, c'est le mot-clé qu'on a pu tirer avec Wissem dès le premier temps, comme une sorte de noyau, comme quelque chose qui est central, c'est qu'il y ait la rencontre, que ce soit la rencontre avec l'humain, ou bien la rencontre avec le territoire, ou bien la rencontre avec les différents éléments de ce que les artistes donc peuvent croiser dans leur réflexion. Après, pour le titre, je laisserai plutôt Karim, je pense, en parler. En fait, voilà, le titre est venu après une séance de brainstorming, c'est ça. En fait, on a, avec Wissem,
Kenza, Cyrine et Miguel, on s'est installé autour d'une table et on a commencé à réfléchir. Et en fait, à travers les projets qui étaient proposés par les artistes, Miguel était plus orienté sur le ciel, Kenza un peu plus sur dans les profondeurs de la terre. Donc l'idée de entre ciel et terre, le début c'était la première idée. Et puis petit à petit on a échangé, on a discuté, et puis l'idée de air sol, voilà, elle est arrivée. Je sais pas qui a donné ce parce que tout le monde a participé, donc air sol en fait, voilà, c'était le très représentatif de leur travail, de l'espace, parce qu'il y avait un travail qui était fait par Miguel sur la terrasse du bâtiment, donc c'était la connexion avec le ciel. Le travail de Kenza qui était au sous-sol, donc la connexion avec le sol, et Cyrine qui était, elle, avec son projet digital, donc elle pouvait travailler un petit peu où elle voulait, donc elle était entre les deux. Donc voilà, c'était une connexion entre l'espace et leur travail. Donc Cyrine, c'était le slash qui est entre air et sol, c'est ça? On va faire une petite pause musicale. On a demandé aux artistes, mais aussi à Karim et à Selma de nous passer des pistes. Comme ça, on va écouter aussi de la bonne musique au milieu et après, on enchaîne avec les artistes. Miguel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. muchas gracias Iser y Taula por compartir el proceso. Bueno, vamos a quizá intervenir un poquito en castellano también. Imagino que durante los dos meses no lo has usado mucho o ha sido como algo secundario, ¿no? Imagino que entre vosotros habéis buscado la forma de conectar. ¿Cómo lo has vivido? Pues al venir por primera vez a un país y un espacio de donde el idioma, el francés y el árabe, no los domino y no los conozco, me toca situarme en un término medio que es el inglés, y es un idioma que tanto a mí como a la gente que está aquí viviendo, que habita este espacio, nos es como una herramienta de comunicación que no es nuestra lengua materna, y siempre pues tienes que buscar otras maneras de comunicación o términos medios casi de acuerdo y de para al final entenderte. Entonces entras en una como en unos juegos de comunicación que también son interesantes y te hacen también pensar y trabajar desde otro punto. ¿Y quieres quizá hacerlo en inglés como para que los demás también accedan a...? No sé, I would like to know just now in English, maybe if you want to follow. How was the experience for you spending 2 months here in Sousse and exchanging with the artists, with the team of El Biru? How was it? Yes, everybody knows that it's my first time here in Tunisia, and for me it was so incredible to live and to work in this new culture, but not so far from Spanish culture also, and in this space. And I think it's possible to see the influence that this space has in my work. And I like when I think in my work and to see the reason that this work is the possibility to make this work here in Sousse, in El Biru, or in Tunisia, not
it's not the same work than in Valencia, or simplemente coger que el sitio donde se desarrolle el trabajo tenga como mucha influencia de al final lo que se ve. Claro. Sí, sí, conocíamos tu trabajo a través del dossier que nos enviaste y para nosotros era muy importante este factor, ¿no? Que eras un artista que podía como aprovechar mucho de un nuevo contexto a través de su obra, de su intervención, ¿no? Y que estábamos convencidos que funcionaría en un marco que también trabaja mucho el aspecto del espacio público, ¿no? O la calle, ¿no? Y un espacio como el Viru con esta entrada, pues sí. Sabíamos que iba a encajar muy bien. Claro, que el espacio condicione. I'm going to speak a little bit in English. Yes, because it's important for me to, in a new place, to focus on the details or in the street, in public space. And to focus in that and to incorporate into my work and to just be in art, just to think in that way. Merci, Michael. Donc on était dans les airs avec Michael, maintenant on va dans les hécatombes. Et pour ça, je donne la parole à Kenza. Bonjour. Merci pour cette table-là. Et par rapport au processus, comment ça a commencé, comment on est venu, comment j'ai découvert la ville. Donc merci à Karim et Selma surtout pour nous avoir fait vraiment découvrir la ville d'une manière très, on va dire, underground. Pas la manière où les circuits classiques sur lesquels tout le monde passe. Donc, ils nous ont déjà au départ vraiment aidé à prendre nos marques dans la ville. Et pour ma part, je ne savais pas sur quoi travailler ou quel était le thème ou quel était le sujet. Donc, cette découverte de la ville m'a aidé à mettre le doigt sur ce que je voulais faire. Et donc, c'était la ville. Et après, ça, c'est l'extérieur. Et l'intérieur, c'est-à-dire le Bero, c'est totalement une autre atmosphère, mais en totale adéquation avec l'extérieur aussi. C'est-à-dire, y a pas de... c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai aimé en fait. Il n'y a pas de barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Ce n'est pas si différent que ça. Ce n'est pas des remparts dans lesquels on est et on n'a pas de contact. C'est-à-dire, l'atmosphère est la même, que dehors ou à l'intérieur. Et on a bien pris soin de nous, hein. J'ai pris du poids, merci Selma. Et à part ça, chaque soir des discussions, des discussions très très riches, les amis de Karim et de Selma qui venaient à la maison, des artistes, des gens de tous bords. Et toutes les discussions qu'on a eues, politiques, idéologiques, vraiment un éventail très très large de discussions, m'a aussi aidé à mettre le doigt sur ce que je voulais faire. Et c'était Sousse. C'était la ville de Sousse. Après, je m'en suis un peu écartée. J'ai un peu dézoomé par rapport à Sousse. C'est-à-dire, j'ai voulu un peu parler aussi du Maghreb, mais le particulièrement Sousse est... Et c'était, j'ai adoré traiter ce sujet-là. Voilà. Bah, super, Kenza. Merci pour partager ça. C'est très important. Et maintenant que tu as mentionné Karim et Selma, je passerai la parole à Selma. Je voudrais savoir aussi de l'autre côté comment ça c'était cette expérience humaine. J'imagine que pour la première fois, cette résidence a accueilli pendant 2 mois. 2 artistes chez vous, non? Ça c'était les grands changements par rapport aux éditions précédentes de la Galerie Il Viru, de Zootopie Visuelle aussi. Et je voudrais savoir
Comment ça s'est passé? Bonjour. Au début, sincèrement, quand Karim m'a dit que la résidence, c'était 2 mois, j'ai eu vraiment peur. J'ai dit 2 mois. Pourquoi t'as pas commencé doucement? 1 semaine, 10 jours, 2 mois. Et sincèrement, c'était vraiment une très belle découverte, une très belle expérience. Ces jeunes-là sont formidables. Ça a marché dès le début. Ils sont formidables humainement et artistiquement. Et c'était vraiment, c'est vraiment une belle expérience. Ça nous a permis d'échanger pas mal de choses, pas mal d'idées, pas mal de surtout que par rapport à Miguel ou Kenza, quand même, il y a des cultures un petit peu différentes et tout. On a découvert des choses, ce qui se passe ailleurs, quoi, que ce soit humainement ou artistiquement. C'est une vraiment très belle expérience. C'est comme je leur ai dit, là, à chaque fois, on encourage les jeunes et à chaque fois, je dis mes enfants, on dit nos enfants. Et bien là, cette fois-ci, là, on a encore d'autres enfants. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Merci beaucoup Salma, c'est super. Je voulais maintenant poser la question à Cyrine. Donc Cyrine, elle est originaire de Sousse. Elle ne vit pas à la maison avec les autres artistes. Et donc je voulais savoir comment tu as vécu ces résidences et comment tu as pu créer des liens sans être présente toute la journée avec les artistes. Mm-hmm. En fait, un grand merci à toute l'équipe de Jessel, à Salma, à Kerim, à Wissem, à Labd et à Haweri. Et en fait, c'est la première expérience résidence. Et j'habite à Sousse, ici. En fait, ملول قدا صعيبة شوية اللي أني في نفس الفيل نسكن وكيفاش باش نخدم وكل شيء أما قعدت في الديمارش في اللاغ نوميريك وكل واللي شانج بين كنزا وبين ميغويل سيتي مانيفيك اي في توت لا جورني سي نحاول نعمل نوقتي بين 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 الخدمة نتاعي وبين الريزيدونس دارتيست et ainsi de suite, ça va. Ça s'est passé comme ça. Oui. Très, très bien. Ça, c'est une première approche et je crois qu'on va faire une petite pause musicale et reprendre avec une question pour une autre personne ici présente. Cette année, dans la résidence de Jessel, nous avons reçu plus de 100 dossiers. Et parmi cette centaine de dossiers, nous avons sélectionné 9 artistes. Et 3 sont ici présents avec nous pour la première étape à Tunis. Dont Cyrine Touibi, qui nous a parlé à Sousse, pardon, qui nous a parlé tout à l'heure de la manière avec laquelle elle a vécu la résidence. Et maintenant, j'aimerais lui poser la question du travail qu'elle a produit et de comment elle pourrait le décrire à quelqu'un qui est en train d'écouter ce podcast. Merci. En fait, je dirais que je suis à la démarche artistique. En fait, ma démarche artistique représente une réflexion sur l'image, la mise en espace, le geste interactif, le geste du spectateur. En fait, le travail tourne autour de l'interactivité et l'aspect ludique et l'importance de faire agir le spectateur dans l'œuvre. Pendant ces 2 mois, j'ai travaillé sur un dispositif interactif composé d'une projection, un PC relié à un webcam à l'aide d'une programmation. Et en fait, l'écran de projection capte la présence physique en temps réel du spectateur, son mouvement, gestes, corps, ainsi de suite. Et
l'écran reflète l'image du spectateur sous forme de mosaïque, des pixels, et il y a un jeu entre dans l'œuvre. Et je fais des captures d'écran et le dispositif interactif entre l'image fixe et l'image animée, entre le noir et le blanc, le vide et le plein. Comment tu as choisi de disposer ces images? Parce qu'ils sont disposés d'une manière très originale. J'ai disposé ces images de manière aléatoire. J'accrochais sur le mur dans un coin, et comme un jeu. C'est vraiment dans une intersection très intéressante parce qu'on voit de la mosaïque, mm-hmm. on voit du Lego, mm-hmm. on voit des pixels. Oui. Et je trouve que la mise en image de ce travail qui est interactif est très intéressante. Donc je te remercie pour ce travail. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Walid. Donc Walid Aïdoud. Qui est ici en observateur parce que lui, il va organiser la prochaine étape qui va être à Alger. Juste ajouter que Walid Aïdoud n'est pas venu tout seul d'Alger, en fait. Il a ramené un bon ami, un autre des membres fondateurs du Box 24. Donc je pense que l'histoire du Box, Elle est quelque chose aussi, comme celle de Gisors. Je pense que chaque projet artistique, culturel qui démarre dans la région et qui connaît les bases du projet ont des choses à dire là-dessus. Tout à fait. Ouais. Et c'est, je pense aussi pour ça que on se comprend quand on parle de projets comme celui-ci, soit avec le Box à Alger, soit avec le Birou ici à Sousse. Mais on est dans la même longueur d'onde en ce qui concerne la gestion, comme côtoyer les artistes, cette proximité. C'est... Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, merci. Merci, bonjour. J'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Mohamed. La mission qui nous attend de préparer la prochaine étape des résidents Gisser à Alger. Excusez-moi, mais je dois vous dire que je suis super inquiet. Parce que Karim, il a placé la barre très haut. Donc, il nous a posé un énorme problème. Du coup, à Alger, donc, cette fois-ci, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais bon, les choses vont bien, on se prépare. Tout est bien, ne vous inquiétez pas. Donc, tu as préparé la limousine? Oui, oui. Parce que là, ce qui m'a le plus frappé, donc, quand je suis arrivé à Sousse, donc, ça fait 20 ans que je ne suis pas venu à Sousse. Je suis venu à Sousse il y a 20 ans. J'avais 3 ans, 4 ans. Voilà, un truc comme ça. Et là, je retrouve Sousse, je retrouve Jamel aussi, que ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu, à cause de la Covid, à cause du contexte. Et Jamel, qui est artiste algérien, il est installé à Tunis depuis 7 ans, 8 ans. Voilà, donc, quelque part, c'est notre ambassadeur ici à Tunis. Donc, et pour revenir à la résidence, donc, en venant en redécouvrant Sousse, bien sûr, donc on atterrit à Albiro. Ce qui était frappant, c'est premièrement c'est l'accueil. Donc Karim et Selma, vraiment, on s'est senti tout de suite à l'aise du premier contact. Donc et avec Kenza, qui m'a raconté un peu comment ça s'est passé, Céline aussi et Miguel. Du coup, ça ça m'a paru donc. En fait, c'est dans la continuité de l'esprit de la résidence Gisser. Donc, chaque étape, il y a un saut de qualité, un saut d'expérience humaine. Donc, il y a des valeurs qui s'installent et sont ancrées dans. Ouais, ces valeurs-là sont ancrées dans la tradition de ces résidences et qui continuent. Et ce qui est génial aussi, c'est que rien n'est arrêté. En fait, c'est vraiment une expérience humaine, une expérience artistique qui favorise la pratique artistique, la pratique culturelle, tout ça.
plus les échanges, les interconnexions. Donc, je reviens sur la relation Algérie-Tunisie, Algérie-Espagne, Algérie-Espagne-Tunisie. Donc, c'est vraiment des croisements. Et là, en discutant avec Mohamed, avec Wissam et tout, donc on s'est senti vraiment qu'il y a énormément de potentiel à exploiter dans ce sens. Du coup, on est très motivé pour accueillir l'étape à Alger en septembre-octobre de cette année. Et autre chose, je voulais juste en parler par rapport à la pertinence du choix du titre de l'exposition. Et je suis en train air-sol, j'allais dire sol-air, mais bon, air-sol. Donc, bon, Je pense que solaire, ça cache aussi voilà. Avec l'esprit de... Voilà. De le bureau, non, avec les utopies visuelles, les UV, les rayons. Ouais. Peut-être Karim pourra rajouter un peu là-dessus aussi. Oui. Donc, cette pertinence dans le choix et dans la scénographie, la manière comment les œuvres sont installées. Et là, je remercie énormément, je félicite les commissaires, Houari Bouchnak et Wissam, et aussi la gestion de Karim et Selma qui ont vraiment... On sent leur présence, on sent leur touche, on sent dans tout ça. Donc, et c'est vrai, c'était un peu perturbant d'avoir une lecture quand on voit l'exposition. Quand on voit par exemple l'œuvre de Kenza qui est suspendue, pourtant elle a travaillé au sous-sol, elle a bien creusé, elle a fait un travail archéologique. Et après on a Miguel qui a travaillé sur le ciel, après on voit son œuvre à même le sol. Donc on se pose des questions. Et ce qui est plus important, c'est que c'est entre l'air et le sol, il y a quelque chose. On retrouve le travail de Céline. C'est vraiment dans l'immatériel, cette touche, après comment ces fragments qui sont sur le mur, comme ça, placés d'une manière, comme elle disait, aléatoire, mais finalement, ce n'est pas aléatoire, finalement, genre, c'est la bonne façon, c'est ça la pertinence, en fait, ce qui est très intéressant dans ce travail. Du coup, je tiens à vous féliciter tous pour votre travail. Vraiment, c'est un travail de qualité, un travail qui vient du cœur, on sent qu'il vient du cœur aussi. Parce qu'on est passé par l'étape de la présélection, tout ça, en lisant les dossiers, on essaie de se projeter, on essaie de voir à peu près le résultat. Et là, je suis comme ça, je suis vraiment super, je suis surpris, agréablement surpris. Donc, merci pour la parole, merci pour cette occasion. Merci Karim, avec qui j'ai échangé pas mal. Donc, on a discuté sur le présent, le futur et même le passé. On est remonté même aux relations des années 60. Merci. Moi, je voulais rebondir aussi par rapport à l'étape curatoriale. Et je pense que... Je pense que Selma et Karim, ils étaient en fait d'un grand soutien, d'un grand accompagnement par rapport à cette étape curatoriale aussi. Parce que dans le processus de création, ils n'étaient pas seulement des hôtes là à être présents par rapport aux artistes ou à les accompagner dans leur quotidien et par rapport à leurs besoins quotidiens, mais c'est aussi par rapport à leurs besoins de réflexion et besoins de recherche. Et je pense que ça, c'était vraiment aussi le plus qui a donné qu'on sent qu'il y a une sorte de complémentarité, une fluidité par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce qui a été créé. Et il y a une volonté en fait de vraiment de prendre soin de l'autre qui est assez présente, et c'est ce qu'ils ont fait d'une manière assez, assez majestueuse en soi. Voilà, je tenais à les remercier d'ailleurs. Sure.
اسمها ريحان لفظها برهان وصلها رضوان mil joyas de hermosura ramo sol de suerte media luna ramo sol de suerte media luna ماذا نظمت بذاك القد المحاسن نظم العقد غصن وبدر وشمس السعد غصن وبدر وشمس السعد غصن وبدر وشمس السعد J'aimerais maintenant donner la parole à Jamel Agagnia, qui est artiste algérien que j'ai eu la chance de connaître hier. Et je pense une des forces des projets comme ceci, c'est de rencontrer des gens d'horizons divers, mais autour des questions artistiques, des questions de la pratique artistique. Donc lui, il nous vient avec un regard tout neuf sur ce cycle de résidence et j'aimerais connaître ses impressions, son avis, ses recommandations pour le développement de résidence de Jesser en partenariat avec El Biro. Bonjour et merci à toute l'équipe de Jesser et de El Biro. Moi, la première impression, c'est l'énergie positive qui dégage premièrement l'espace et beaucoup plus les personnes. Surtout Karim et Salma, Mohamed et toute l'équipe ici, et l'amour du partage. Et ça, et c'est ça, pour moi, c'est ça qui est l'essentiel dans comment dirais-je, toute initiative ou toute des projets comme des résidences comme ça, c'est l'amour de partage. Si on ne trouve pas cette étincelle d'énergie positive et tout ça, pour moi, il y a quelque chose qui va manquer dans la continuité des travaux, du travail et tout ça. D'après mon expérience avec Walid et dans le Box 24, l'idée, c'est toujours de faire des initiatives, des fois au Box 24, même à la dernière minute. Mais quand les gens ils s'impliquent dans un projet, il va réussir, sûrement. Et ce que je vois ici, c'est les mêmes démarches. Et... je sais pas, c'est ça pour moi la première impression que j'ai sentie j'ai pas trouvé le mot mais c'est ça. Oui, on a bien compris, c'est très clair. Oui, merci Jamel. Oui. Moi j'aurais une question aux trois artistes. C'est une question par rapport à vos sentiments par rapport à une résidence d'un mois et demi, de deux mois, parce que vous venez dans un nouveau contexte, vous ne connaissez pas le pays, sauf pour Cyril, et vous savez que à la fin, il y aura une exposition avec un public qui va venir. Et donc, j'aimerais connaître les états par lesquels vous êtes passé durant ce mois et demi jusqu'à maintenant. Donc pour ma part, dès que je suis venue, c'est-à-dire dès qu'on a commencé à parler travail, c'est-à-dire au bout du deuxième, troisième jour,
le stress monter en flèche, genre ça vraiment monter en flèche, mais bien comme il faut. Et plus j'arrivais à préciser ce que j'avais envie de faire et ce que je voulais faire ou ce que je voulais exprimer comme idée, plus le stress descendait. Et donc, à partir du moment où j'ai fini mon travail, tout le stress a disparu et j'ai vraiment, par exemple, le vernissage d'hier, je l'ai vraiment apprécié complètement parce que j'étais détendue, parce que j'avais fini mon travail et j'étais satisfaite au moins à la majorité du résultat. Et donc, mais il y a eu quand même des pics de stress, des changements d'idées, des remises en question. Un jour, je suis sûre de ce que je veux faire. Le lendemain, pour moi, c'est une catastrophe. Et ça a été comme ça pendant deux semaines, trois semaines. Et après, ça s'est mis en marche et c'était sur les rails. Et tu travailles à partir de références qui sont anciennes. On remarque aujourd'hui beaucoup d'artistes ne s'intéressent pas beaucoup à la technique. Et toi, c'est différent. En fait, j'ai toujours voulu avoir justement cette technique et ne pas trouver des raccourcis pour pallier un problème technique. Donc j'ai toujours voulu, par exemple, je me rappelle aux Beaux-Arts, je faisais des planches et des planches de tests, juste de texture. C'était des centaines de croquis, juste de tests de texture, pour qu'après j'ai une sorte de bibliothèque dans ma tête et que quand je veux faire... Je pense à un graphisme particulier, à une couleur particulière, à une texture particulière, à un trait particulier. Je pioche directement parce que j'ai déjà essayé plein de choses. Et donc pour moi, ça ne doit jamais être une fin en soi, sinon ça ne sert absolument à rien. Mais c'est un outil très très important. Et après, en 2010, je suis sortie des Beaux-Arts en 2019, mais jusqu'à maintenant, je fais encore des croquis, et des études d'anatomie, et des études académique un petit peu, pour justement acquérir cet outil qui me permettrait d'exprimer absolument tout ce qui me passerait par la tête. Si un point rouge me passe par la tête, je peux faire un point rouge, et si autre chose de plus compliqué me passe par la tête, j'aimerais pouvoir le faire aussi. Parfait, merci beaucoup. Et maintenant j'aimerais poser la même question à Cyrine par rapport, il n'y a pas vraiment le stress de la ville parce que tu la connais par cœur, mais le stress de l'exposition. Donc, comment tu l'as vécu? En fait, au début, stress, travail, est-ce que le temps va être fini ou pas? Est-ce qu'on est en plus en collaboration avec un ingénieur? Et ça va. Après, je trouvais sur la ligne et ça va. Oui. Très bien, merci. Mm-hmm. Ouais, Miguel, I want to ask you about the steps, mainly about your feelings and the fear of not arriving to a result. How you managed that? Okay, merci, Mohamed. The first time I had not any idea what type of work is possible for me to make here in new context, and this is interesting for me too, because it's important to be in the context and to feel and to be open to this. All is new, and to focus on the things that are interesting for me, because I don't want to do the same work in Spain or here. It's important to work in specific place and to be inspired for that space, and also working thinking about the exhibition also is important for me to
to think my work in this particular building, in this, in El Biro, with the windows, with this architecture, and to mix the architecture with my work, making structures like maybe like a song, like different shapes or forms, a lot of times in this specific building, and yeah, I'm happy with that. Thank you, merci Miguel. Il y a aussi un élément qui est récurrent dans l'exposition, c'est les petites arcades qu'on voit, qui sont les arcades du Ribat de Sousse, oui, de la Médina de Sousse. Et donc ça figure surtout dans le travail de Kenza et aussi dans le travail de Mikael. Ça nous permet de voir la ville autrement et de voir quels sont les éléments identitaires et visuels de la ville que nous, qui connaissons la ville, on l'oublie. Exactement. Par exemple, comment tu as vécu ça? Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, les trucs au-dessous, au-dessus. Donc, les petites arcanes, c'est les remparts, les trucs au-dessus. Et d'ailleurs, on a rencontré cet archéologue avec Karim, qui nous avait dit que les trous, les fentes qu'il y avait au milieu, c'était pour les flèches. Elles étaient plus larges de l'intérieur que de l'extérieur. Et d'ailleurs, au milieu, c'est plus fin que les deux dans le triptyque. Donc c'est vraiment à l'extérieur et à l'intérieur, en fait. Et pour moi, c'était vraiment la chose qui symbolisait le plus Sousse. Parce que cette ville, elle est tellement imposante quand on rentre, quand on voit le contraste entre architecture plus ou moins moderne et cette architecture-là, elle écrase tout ce qu'il y a autour. On ne voit que ça, de par les ocres, les couleurs ocres de cette pierre, et aussi elle s'impose aussi par la taille et par l'énergie qu'on y trouve aussi dès qu'on y rentre. Donc oui, c'était pour surtout symboliser en fait les vieilles villes, Sousse en particulier, vraiment comment les habitants vivaient dans ces remparts. C'est complètement différemment de comment nous vivons maintenant. Donc c'était ça le charme. D'après mon expérience comme artiste peintre aussi, l'artiste en général, il cherche le contraste dans la ville. Et dès qu'on rentre ici à Sousse, on voit le rempart qui fait un contraste avec la ville. Il donne, comment dirais-je, la touche de force de la ville. Et directement, on est attaché à ce rempart. Et, c'est ça, pour moi, c'est un élément graphique dans la ville qui fait ce contraste, qui donne le cachet de cette ville. Et pour moi aussi, c'est les gens aussi. Par exemple, les résidents ici, c'est à travers Karim qu'ils ont connu aussi la ville. À travers les personnes qui connaissent Karim, la ville est toute une énergie de d'êtres humains et des édifices. Et c'est ça. Ce que j'ai aimé ici, c'est ce contraste-là. Tu vois, si par exemple on fait une résidence dans une nouvelle ville, toute construction nouvelle, building, tout ça, on sent pas cette authenticité. Et l'ancienne ville, toujours, on trouve l'humain qui donne l'importance et la convivialité de partager, je sais pas, un café avec un ami, où on parle de l'histoire, on parle de... C'est ça, pour moi, tout ça, c'est genre de retour
à l'ancienne, une certaine nostalgie qui donne la ville de Sousse, les habitants ou les visiteurs. C'est ça. Merci. Oui, juste pour ajouter quelque chose par rapport au travail, par rapport au rempart. Donc c'est vraiment la dimension historique de la ville qui est mise en avant. Et j'ai bien aimé le côté justement, enfin l'opposition entre la dimension historique et puis l'art contemporain. C'est-à-dire que à travers des couleurs de ciel, donc là on est en plein dans le présent, on est en plein dans le réel, et en même temps on va un petit peu chercher un petit peu dans l'histoire, dans le patrimoine, dans l'architecture ancienne. Donc c'est ce croisement de temps qui est vraiment important et qu'on voit très très bien dans cette exposition. Il y a aussi le côté historique du bâtiment d'ici, de El Birou, mais en même temps il y a aussi le côté historique de la ville et ce croisement qui était super intéressant. Et puis les trois artistes qui arrivent de d'horizons différents, de natures différentes, ils sont très très différents les trois, mais à la fois il y a eu une symbiose dans leur démarche, et vraiment ça s'est très très bien passé. Justement, c'est vraiment ça qui m'a plu le plus, c'est ce croisement là entre les trois personnes de complètement différentes, que ce soit nos démarches artistiques, que ce soit nos personnalités, nos goûts pour les choses, on est totalement, mais diamétralement différent. Et ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Sur, plastiquement parlant, ça m'a ouvert l'esprit. Même humainement parlant aussi, ça m'a ouvert l'esprit. Et ça m'a ôté beaucoup d'a priori que j'avais sur plein de choses. Donc voilà. Je pense que ça, c'est un des défis de la résidence quand on a changé le modèle pour faire des trios d'artistes qui travailleraient en même temps ensemble dans un lieu, en sachant que c'était important qu'il y avait quelqu'un des trois qui était déjà sur place. Et ça, c'est un point qui fait la différence vraiment pour l'expérience humaine. Oui. Tout à fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était Cyrine, c'était notre ancrage à Sousse. Et nous, on était en train de tourner un peu avec Daya et on arrivait à trouver nos repères par rapport à Karim et Selma et Cyrine, parce qu'ils sont de la ville et ils nous aidaient à intégrer cette ville. Ça c'est une chose, et l'autre chose, c'est la complémentarité artistique entre vous. On peut imaginer des scénarios, et c'est le travail qu'on a fait comme jury, c'est vraiment le challenge en fait, d'imaginer comment ton travail à toi, le travail à Cyrine, le travail à Mireille pourraient cohabiter. On joue un peu à lire l'avenir, non, un peu de pitoniso, comme on dit en espagnol. Et jusqu'ici, ça s'est bien passé. On est heureux de voir que les résultats répondent à cette complémentarité, soit technique, soit personnelle. On peut pas, on vous connaît pas, et c'est le point qui nous manque. Mais on a vu et on est certain que après ce week-end, tout s'est très 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 bien passé. Et c'est enrichissant, je pense. Humainement, la résidence est mise en place pour que ces rencontres se fassent, que vous, après cette expérience, les liens vont se garder, c'est sûr. Peut-être différentes manières, mais ça va continuer. C'est juste un début. Et on voit ça avec les résidents qui sont passés dans les éditions précédentes. Et c'est un peu la volonté qu'on a comme association. En fait, on est sur la dernière ligne droite de l'émission de Taula. Et bon, je voudrais partager le microphone avec Karim pour qu'il nous explique un peu sur les utopies visuelles. Je pense que c'est intéressant aussi de connaître leurs plans pour l'avenir, non, dans ces plans. Et après, si vous avez d'autres questions, on aura un petit moment et on bouclera cette table-là. Merci Karim. Oui, merci pour la possibilité justement de présenter les choses. Oui, à partir du titre de l'exposition Air Sol, en réfléchissant ensemble, on s'est dit, tiens, Air Sol, c'est un bon titre, mais après, tout seul, j'ai dit, mais si on change ça, si on fait Sol Air,
solaire, on revient vers les utopies visuelles, vers les UV, vers les ultraviolets du soleil. Donc c'est le lien avec utopie visuelle. Utopie visuelle, juste je rappelle l'idée avec mon ami Wissem Lab, dont en 2018, on a créé l'événement Utopie Visuelle. On est parti du constat que Sousse était connu pour la plage et pour le soleil, donc les ultraviolets. Et on s'est dit, on va créer nos propres rayons artistiques, les utopies visuelles, auxquelles on pourra s'exposer sans modération. Donc l'idée de Utopie Visuelle et de UV est née comme ça. Et c'est aussi, l'idée de pouvoir recevoir des artistes à Sousse qui pourraient faire des interventions urbaines. Et cette année, on a commencé à discuter avec Wissem aussi par rapport à développer un programme de résidence. UV, c'était un événement qui était limité dans le temps, en fait, en début d'été à Sousse. Et là, l'idée, c'est justement d'allonger un petit peu sur toute l'année et de créer justement des résidences. Et le fait que cette idée coïncide avec la résidence Jessel, c'était vraiment une très très bonne opportunité pour El Birou pour présenter un petit peu ce programme de résidence. Là, juste au mois de juillet prochain, on reçoit des artistes qui vont intervenir dans l'espace urbain. Et au mois de novembre, on va recevoir des artistes qui vont être plus autour des arts numériques. Donc, pour avoir deux temps forts sur l'année. Et là, on est en train de voir, de programmer un petit peu tout ça pour pouvoir recevoir tout au long de l'année des artistes en résidence. Pour le mois de juillet, il y aura notamment Omar Bey qui va venir intervenir sur un mur de la ville, notamment également Slimane El-Kemel qui va venir, il va y avoir Emir Al-Amti qui va être l'artiste tunisienne qui sera à Barcelone. Donc c'est aussi un lien, enfin c'est des connexions d'une manière un petit peu différente. Mohamed Ben Sultan également qui va être présent avec nous. Donc voilà, on essaye de connecter, d'interconnecter en fait UV avec d'autres événements, et puis en même temps c'est de continuer cette aventure de développement. Enfin, un des objectifs, c'était de développer ou de contribuer à développer le tourisme culturel à Sousse, mais également surtout de diversifier l'offre artistique pour les habitants et de donner un accès à la culture au plus grand nombre, surtout au centre-ville de Sousse, où ce n'est pas un public, on va dire, c'est pas une population privilégiée, au contraire. Donc donner l'opportunité au maximum de personnes, de personnes défavorisées, d'avoir accès à la culture, à l'art. Voilà, c'est un petit peu l'esprit de El Birou, c'est l'esprit de UV. Voilà. Et en tout cas, je tenais à remercier beaucoup Javi, Mohamed, Aweri, Wissem. Donc, comme j'avais dit, une des premières réunions, j'ai dit de toute façon, on est sur un bateau et on a les mêmes objectifs. Donc notre objectif, c'est de réussir cette aventure. On avait tous cet objectif-là. Et je pense que toutes les énergies, chacun de son côté, chacun à sa manière, voilà, a contribué à ce que ce projet soit, je pense, une réussite. Et franchement, je suis très, très content, très heureux d'avoir participé à cette aventure. Et voilà, bravo aux artistes qui ont fait un travail magnifique, aux commissaires et aux organisateurs. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on conclue avec un petit jeu. Alors, chacun de nous va dire un mot qui donne du sens par rapport au mot précédent. Et je vais commencer, je vais passer le micro à Chabi. Et le mot que je veux utiliser, c'est « Sousse ». Rayon. Akao. UV.
Eni. Nous. Espace. Air. Sol. Terre. Air. Or sky. Moi je dirais rencontre. Merci beaucoup. Shukran. Atakum saha. Rabbi fadalkum. Marhaba bikum.